sans hésitation ces gens-là. Jojo. Ma préférée, ça devait être Ne me quitte pas. Une valse à trois temps. Ne me quitte pas. Et les bonbons, c'est tellement bon. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Oh, suivons. Je mettais Jacques Brel tellement haut dans mes références musicales que s'attaquer à un monstre sacré comme ça, c'était assez compliqué. Et finalement, c'est pas si mal. Les vieux ne parlent pas, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Alors, mon histoire avec Jacques Brel, elle remonte à loin, je pense, dans le ventre de ma mère. Parce qu'elle en écoute depuis toujours, depuis que j'ai toujours entendu à la maison. Donc, c'est venu de là. À Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps. Ah, on reste très fidèle, j'ai pas changé les paroles, on n'a pas changé les accords, mais on a changé peut-être des styles, remodernisés, entre guillemets. Tout nu dans ma serviette, qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans, et nous étions 120. À être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déguisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Et au suivant, au suivant. Non, ce fut pas Arcole, ce fut l'heure où l'on pourrait d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que longtemps, cet adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, au suivant. Ah, c'est un bonheur, c'est un exutoire total, c'est une heure et demie d'amitié, de relations entre les hommes, et ça c'est universel et je pense que c'est intemporel. Au suivant, au suivant. Un jour j'ai déjà joué en face de gens qui avaient vu Jacques Brel et qui m'en ont parlé avec des étoiles plein les yeux, qui étaient contents de qu'on le fasse revivre d'une certaine façon, et je pense que de toute façon, tant que les gens l'écouteront, il sera pas mort.